exemple, j'irai ce lavabo, il est plein d'immigrés. Vous dites, il faut que le lavabo ne se remplisse plus. Donc vous fermez le robinet, je dirais, d'eau chaude. Les travailleurs, c'est des... En même temps, vous vous rendez compte que, malgré tout, si vous le fermez, il y a une espèce d'agitation. Donc vous ouvrez un autre robinet. L'autre robinet, c'est le regroupement familial. Vous bloquez un flux et vous faites entrer un autre flux. Vous dites, merde, ça continue à se remplir, puisque vous avez bloqué un flux. Alors vous dites, il faut vider. Alors vous, à ce moment-là, vous créez un dortoir qui est censé vider le lavabo. Voilà. Voilà. Alors voilà. Il se fondrait dans la masse française. Et au fond, c'est vrai que de ce point de vue-là, il y avait une perception différente des Portugais et des Maghrébins.
avec l'idée que les Portugais se fondraient, et c'est vrai que les Portugais se sont fondus assez bien dans l'idée française, mais il y avait bien l'idée qu'à un moment donné, comme un morceau de sucre, sucre, vous savez, qui se fond dans une tasse à café, et bien que le morceau de sucre fondrait. C'est vrai que le morceau de sucre n'a pas tout à fait fondu comme il devait. Je crois qu'il y avait deux idées.